RTCI nous réunit. Le bilan initial était une trentaine de blessés et 5 décès sur place. Actuellement, on a reçu 46 blessés dans les structures sanitaires et un total de 5 décès. On a un décès, un militaire, et les 3 autres qui sont décédés sur les lieux sont a priori des civils. 4 sur les lieux de l'accident et un nourrisson décédé à l'hôpital d'enfants. Donc les 46 blessés sont répartis comme suit. 34 blessés au centre de Trauma Center Ben Alouf, un blessé à l'hôpital Shah Nicole, un militaire qui est transféré actuellement à l'hôpital militaire. À l'hôpital d'enfants, un autre blessé, un enfant. Et à l'hôpital militaire, 9 blessés et ils vont recevoir les 2 militaires qui sont à l'hôpital Shah Nicole et un autre au Trauma Center Ben Alouf. À l'hôpital Mujissim Malsain, on a un autre blessé qui est moyennement grave. Il a été conditionné et il est actuellement aux urgences hôpital Mujissim.